Hey yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite. Aujourd'hui, petit Fortnite qu'on va faire aujourd'hui. Donc Fortnite pour mardi. J'espère que vous allez bien. J'espère que la vidéo sur Dying Light vous aura plu. Moi je tourne à la suite parce qu'on est sommes vendredi, donc je perds pas de temps en ce moment. J'ai envie de vous faire un peu de vidéo. Et vu qu'on arrive pour Halloween, ben j'ai envie de vous faire quelques petites vidéos. Aujourd'hui nous allons, comme je vous l'avais dit sur Dead by Daylight, nous allons partir. Nous allons faire de l'assaut aux ordres. Donc je suis niveau 157. J'essaie pas de monter mes niveaux plus que ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a des défis qui me plaisent. Alors par exemple, là, j'ai fait mes défis de la journée, donc du vendredi. Donc visiter la crique de l'épave, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas du tout où c'est. Bah, je sais où c'est, mais j'ai pas envie de me casser le cul à sauter pour faire juste ce défi-là. Donc voilà, j'essaie de faire mes quêtes quotidiennes, donc ça veut dire remercier le chauffeur du bus. Il m'en reste encore 20. Et j'essaie de faire les quêtes assaut de la horde. Alors j'espère, je le dis bien, j'espère que tout va aller bien. Parce que ce matin j'ai joué à ce mode de jeu. Sauf que les gens ont quitté. Donc je suis un peu dégoûté. Parce que quand t'as les gens qui quittent, c'est un peu chiant pour faire certains défis. Et quand t'es tout seul et que t'as 60 monstres sur ta tronche, c'est un peu difficile. Surtout que quand t'arrives sur la horde finale, quand t'as le géant qui est en face de toi, c'est un peu chiant à le battre solo. Le cauchemar, je l'ai terminé. Franchement, c'était plutôt simple comme défi. Même si le cauchemar, les trois quêtes cauchemar, pendant un moment, je me disais, mais comment ça se fait que je peux pas finir la troisième quête? En fait, j'avais pas regardé, mais en fait, il fallait que j'utilise le lance-roquette, cauchemar, donc le lance-citrouille, tout compte fait, j'avais oublié de le faire, donc je l'ai fait au dernier moment. Au dernier moment, quand même, il reste une semaine, mais bon, voilà. Et SOS Fantôme, qui était plutôt sympa, clairement, plutôt cool. Et j'ai fini toutes mes cartes. C'est cool, clairement, de faire des cartes. Ils devraient faire ça un peu plus souvent, mais un peu plus de défis. Clairement, un peu plus de défis, parce que là, clairement, c'est tout le temps les mêmes défis. C'est un peu chiant, donc voilà. À part quand on change, vous pouvez aller en Ford Empoint, par exemple. Maintenant, on a des quêtes de Ford Empoint qu'avant, il n'y en avait pas. Il y avait des quêtes. Les quêtes de Ford Empoint étaient directement les quêtes principales. Mais le Ford Empoint, moi je trouve qu'il est plus assez bien pour ça. Parce que clairement, le Ford Empoint, la zone déjà, elle se restreint quand on saute. Donc c'est un peu chiant. Et je voulais vous parler parce que pendant un moment, je faisais du... c'est comment? C'est pas un poster, c'est... Labo de combat, normalement, quand vous alliez au labo de combat, normalement, pour la pêche, les trucs comme ça, les trucs assez basiques qui étaient plutôt cool, parce qu'on pouvait faire certains défis. Maintenant, on peut plus. C'est dommage, parce que clairement, on pouvait aller à la pêche, c'était cool, on pouvait remplir nos sacs de pêche, on pouvait remplir les poissons... on pouvait s'entraîner, bon, on peut toujours s'entraîner, mais avec les failles, je pensais que, par exemple, comme vous le savez, sur Fortnite, il y a les failles de monstres qui sont un peu à droite à gauche. Eh ben, les failles, à la place de durer le temps qu'il faut comme un jeu normal, elles sont plus courtes. Quand vous avez buté 3-4 monstres, la faille se rétrécit tout de suite, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc on va lancer, donc bon, en comblé, parce que je suis tout seul. Faudrait que je voie avec d'autres personnes. Un peu comme Dead by Daylight, j'ai du mal à le dire, hein. De jouer ensemble, parce que clairement, c'est vrai que Assaut aux Ordres, c'est vrai que ça peut être sympa avec tout seul, mais même si on est en coopérative avec d'autres personnes, c'est mieux d'être avec des potes ou des trucs comme ça, donc faudra que je voie si je peux inviter des personnes. Donc voilà, sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, même si je sais pas si je l'ai dit ou quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Et à laisser un petit commentaire. Parce que je ne vois plus trop de commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà.
Allez, c'est parti. Assaut aux à la horde. Alors, je vais baisser un peu mon PC, moi, parce que... Merde, c'est vrai, faut sauter. Alors, ah putain, on est à Wood. On est dans les Woods. Je ne vais pas aller tout de suite. Je ne vais pas aller. Parce que ça sert à rien. Parce que tout le monde se précipite sur les machins. Ouais, faut dire que même eux. Merde. Il n'y a vraiment rien en plus hein, dans cette zone là au niveau coffre c'est pas fameux hein. Hop. Alors c'est plutôt cool, moi je trouve que l'assaut aux hordes est plutôt sympa. Ce qui est un peu dommage, c'est que ben, les gens, habituellement, quand ils ont fait leur défi, ben, ils quittent. Alors c'est un peu dommage. Je vais me mettre là. Hop. Secondes. Récupère un peu de matériel. Alors bon, là pour le moment c'est long, mais une fois que c'est lancé, c'est plus si long que ça, hein, clairement. Ah merde, ben c'est le même bombe. Je l'ai vu bleu au loin, mais apparemment il était vert. Bon, pas grave. Oh, ça va attaquer doux, ça va attaquer doux. Alors moi je déblaye un peu parce que c'est vrai que... J'ai l'habitude de me caler dans des endroits où... Ouais, bon, on le voit. Et hop. Ah oui, c'est vrai, par contre. Voilà, moi par contre, j'aime bien avoir. Qui c'est qui a foutu le feu, hein? Peux me dire qui c'est qui a foutu le feu? Recule. Allez, on rentre dodo, Lugo. Ah, putain.
suis tout seul ou... Ah non, je suis pas tout seul, c'est juste que les joueurs ont décidé d'aller voir ailleurs. Clairement, ouais, c'est ça, ils essayent d'avoir les cubes pour se faire plus de points, mais... Eh. Oh, ça c'est fait, première manche faite. Fait un peu le tour pour voir s'il n'y a pas deux, trois trucs qui peuvent être intéressants. On récupère les munitions. Qu'est-ce qu'elle fait, Zoé? Oui, il faut être solidaire, moi je dis, dans une game comme ça, faut, c'est pas comme une partie de survie où vous devez... Moi, j'essaye pas d'avoir le plus de points. Clairement, si j'ai le plus. Voilà, en plus de ça, à la fin, c'est tout le monde est identique. Donc, moi, je dis le mieux, c'est de jouer en comparaison et puis de réussir un minimum avec les autres. Ah, par exemple, là, je vais être coincé contre la zone. Par contre, fais chier. Bon, je pique un peu des kills un peu à droite à gauche, mais... Aïe. Tu vas où, Drac, là? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où, Drac? Aïe. Yo. Alors ce qui est bien, c'est que ils prennent pas les, ils aiment pas l'eau. Alors par contre, il y en a un. Ah non, je croyais que tout le monde n'était pas là, mais si si, tout le monde est là. Tout le monde est là. Là. Par contre. Ah oui. Sacrifier 2-3 minutes de ma vie. Aïe, aïe. Ouais, mais 2-3 minutes sans me prendre des claques. C'est possible de ne pas me prendre de claques? Oh. Oh, par contre, c'est de la triche, ça, hein. Ah.
Ah, mince. Alors, je sais qu'il y a des boîtes de mun. Hop. Ah là, un pont bleu, ça c'est cool. Ça c'est gentil de penser à moi. Il y en a une qui joue pour les points là. Par contre, ouais. Et du monde là. Ah, c'est pareil, si vous l'avez pas, le boss de la machine, vous pouvez venir en zone là, elle sera gagnée comme si vous avez et merde, il y a les glaçons. Eh. Ah merde. Essayer de... Hop là. Ils sont où? Hé, tu me suis? Il y en a qui sont derrière. Il y en a qui sont derrière et il y a des glaçons. Allez. Aïe. Oh yeah. Bien joué. Je bougeais même plus. x9. Oh les gueux. Pompe. Ouais, non. Vaut mieux que je garde celui-là. Ah, ça c'est pas mal ça le couteau là. Le couteau est pas mal mais c'est vrai que contre le gros boss ça sert pas à grand chose. J'ai eu les frais il y a peu de temps avec
Le mieux dans tout ça, c'est le lance-roquette. Donc le lance-citrouille. Le lance-citrouille. Bordel. Je n'aime pas les glaçons. Je n'aime pas les glaçons. Je tombe. Il le faut. Il le faut. Ouais. Le planeur encore, j'en ai rien à secouer. Et là, je vais juste utiliser cette arme-là pour le moment. Parce que contre le géant, je préfère garder quelques balles contre le... Voilà. Parce que le colosse, il est gentil, mais... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, piquant. Ah, je suis obligé là. Ah. Ah non. Mais foutez-moi la paix avec vos blocs de glaçons. Et là, j'améliore le... Voilà. Allez, c'est parti. Bibendum Michelin est sorti. On lui fait la fête. Ils sont après moi, les gars, là. Aïe, 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 aïe.
Yes! Alors, très chaud, très très chaud. Vous me voyez plus, il fait nuit, il fait nuit. Il fait nuit. Waouh, ah bah voilà. Cool. Et puis je suis passé devant mon ami, je suis premier du classement. Je suis premier du classement. Cool, plutôt cool. Waouh. Donc ouais, le mieux pour jouer, ouais, c'est mieux d'avoir des amis. Mais clairement, bon, moi je suis mort aucune fois, mais il y a des fois, moi je meurs au moins une fois ou deux, des fois, quelques fois. Mais c'est vrai contre le géant, il est donc il a plusieurs attaques. Il a en plus de ça, quand vous vous approchez trop, il fait très très mal. Oh bah tiens, j'ai eu le mid-check. Donc cool, plutôt cool. Plutôt sympa. Voyons voir. Ah, j'ai gagné aucun niveau. Bon, bah, il me reste encore 13 quêtes à faire. Bon, c'est pas non plus trop compliqué, clairement. Faut juste bien choisir ce qu'il faut. Et puis voilà quoi. Faut faire un minimum. Faut faire un minimum et voilà. Donc c'était Assaut de la Horde. Clairement, bah, je suis plus grand content. Parce que je m'étais dit, si on n'arrive pas à le faire du premier coup, bah, je serais obligé de faire au moins une deuxième fois. Mais non, du premier coup, pistolet des aliens, pompe à levier, minigun des aliens et lance-citrouille. Bah, moi j'appelle le lance-citrouille parce que voilà, il y a une citrouille devant, mais c'est le lance-roquette. Avec une citrouille devant. Donc clairement, plutôt content. Plutôt content. Donc voilà. Merci encore. Passez une bonne soirée pour ceux qui regarderont la vidéo en soirée. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Et on se dit à la prochaine les gens. C'était Drake Survie. Peace.